c'est un match d'entraînement. Du coup, on va revenir sur cette journée 5. Tout d'abord, on va regarder les trois. Au niveau du classement, il y a, comme on a parlé dans le stade 2.0, il y a des équipes qui déçoivent un peu et d'autres équipes qui performent bien, qui ouais, performent très bien, même comme SGS et Zephyr qui performent un max. Bah là, typiquement, en 4 matchs, c'est plutôt pas mal. C'est 3 matchs, 3 victoires, 1 match, on a la vie à rapport. Derrière, on a pas mal de place. D'ailleurs, on a pas mal de place. Le son de la musique. Ah, de la bande annonce, ouais, c'était pas. Ouais. Excusez-moi, Misa, il s'est énervé. Il est arrivé, il a écrit on vous entend pas. On vous entend pas. Vous avez entendu là que ça, les amis. Ok, désolé, Misa. Oh, Misa. Désolé, Misa. Ah, Misa, il est venu directement, ils sont trop forts. Oh, Misa, t'énerve pas, Misa. Alors là, il est pas là, Misa, c'est le bordel. Ah ouais, merci, Misa. Merci, Misa. Du coup, attendez, pourquoi on me voit pas à l'écran ? Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, comme je le disais, du coup, on est sur la 5e et 6e journée. On refait l'intro. Bonjour à tous et bienvenue dans cette journée de la conférence Emerald 5 et 6 hein, qui démarra dans 6 minutes exactement. On va vous présenter tout d'abord ce qui s'est passé lors des dernières journées avec ce classement d'équipe avant de vous présenter les matchs de ce soir. Salut, aujourd'hui je serai avec Petros. Comment vas-tu Petros? Bah ça va. Et toi, ça va? Ça va. Du coup, ça va. Du coup, on va revenir sur ce classement. Donc, on disait que SG1 et Zephyr avaient fait un gros départ avec 3 victoires et un match nul, qu'ils étaient en forme en ce moment. On a la Louvière derrière avec 3 victoires. Stade Poitvin et RC Grasse avec 7 points. Et justement, on va avoir à commenter aujourd'hui le RC Grasse. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir et rattraper leur retard, selon toi, notre cher ami? RC Grasse, bah, la saison encore elle est longue, la saison, faut se le dire, la saison il y a encore 20 matchs presque. Il y a encore 20 matchs. Du coup, il y a le temps, franchement, pour RC Grasse, pour Orcs, même pour Bergerac, il y a le temps de remonter, tu vois. D'ailleurs, vous Bergerac avez mis Bergerac en rouge, c'est pas cool. C'est pas cool d'avoir mis Bergerac en rouge. Même si on sait que c'est la loi, c'est la loi de la descente. C'est pas cool quand même. Donc, au milieu de tableau, on a une lutte justement entre Poitvin, Grasse, Toulon et Lyon. Et Atlantide Wave qui a 4 points. Atlantide Wave, c'est un peu la déception, je trouve, de ce début de championnat. Je sais pas ce que t'en penses. En vrai, ils ont fait un gros Q1. Après Q2, ils ont dégringolé un peu. Et là, c'est un peu stable. Même niveau Q2, ça va peut-être remonter un peu. Bah, en fait, moi, ce que je me dis. Mais ils sont en dessous de leur attente, ça c'est sûr. Ouais. Après, il y a Wanted, Lazoria et Athènes qui ferment la marche avec nos amis. Wanted, moi, franchement, c'est plus par rapport à Wanted qui nous avait montré de meilleures choses, surtout avec une finale EFL hiver, une finale, je crois que c'était EFL hiver, je suis pas sûr, mais je sais qu'il y avait une demi-finale pour l'EFL finale, ils étaient arrivés en demi-finale contre Sam Crow, je sais plus s'ils avaient gagné ou pas. Mais ouais, du coup, quand t'es à 3ème, 4ème place et que là t'es 9ème après 4 journées, ça fait bizarre quand même. Merci pour l'abonnement, JC Jackson. Après, on a vu, hein, c'est encore vachement serré entre le 9ème et le premier. Ouais, il y a encore 20 matchs. Voilà, il y a 7 mois d'écart. Et merci, JC Jackson, pour l'abonnement. On va rapidement, mais vraiment très rapidement, aller du côté du match of the day. Alors du coup, les matchs du jour. Alors nous, qu'est-ce qu'on va commenter, mon cher ami? Dis-nous tout. Bah là, franchement, j'en ai 5, l'affiche qui saute aux yeux, c'est Stade Poitvin, SGS One Vision. Ouais, ça sera le premier match, c'est ça qu'on va commenter? Ouais, ça c'est l'affiche. Ouais. Personne ne peut dire non là-dessus. Ça c'est l'affiche phare, on va dire. Journée, du coup. Et pour la journée 6, moi j'ai choisi RC Grasse et Atlantide Wave. Ouais. Mais si dans le chat, au dernier moment, les gens veulent changer... Bah Céline, bonne chance, on changera. Mais du coup, on va revenir sur cette journée. On aura donc du coup Wanted qui recevra Atlantide Wave. On aura RC Grasse qui recevra Zephyr Esports. Bergerac qui recevra le SC Toulon. Athènes Esports qui recevra le SC Lyon. Nous, on ira du côté du Stade Poitvin qui recevra le SG1 Vision. Déjà un match de très haut classement. Et la Louvière qui recevra l'Azoria eFoot.
Et en deuxième partie de soirée, on aura le RC Grasse contre l'Atlantic Wave. Bergerac qui viendra du côté de Wanted. Athènes qui recevra Zephyr. Stade Pauvin qui recevra le SC Toulon. La Louvière qui recevra le SC Lyon. Et l'Azoria qui recevra SG One Vision. Voilà pour les journées. Et avant d'aller du côté du match, on va se faire la Team of the Week. Alors je vous l'ai mis en grand à gauche et à droite en un peu plus petit parce que j'avais pas le format pour pouvoir la mettre en plein écran chez moi. Du coup, une défense, un gardien plutôt, Winerin, qui aura été le gardien de la TOTW. Tu peux nous donner un peu ce qu'ils ont fait ou alors ce que je vais faire moi. Bouge pas. Bah Winner, c'est Zephyr. Zephyr, ils ont fait 3 victoires, 1 nul. Comme on a pu le voir avec avec 3 clean sheets. Yes. 3 clean sheets, 1 but encaissé sur 4 matchs. Franchement, c'est très bonne statistique. On peut le voir aussi avec 2 défenseurs de Zephyr aussi. C'est ça. Taiga et Kelvi. Après, il y a Tom Excellence de Orcs. Qui Orcs ont fait 2 victoires, 1 nul et... si je me trompe pas, ils avaient fait une défaite contre la Louvière. Du coup, là, on peut voir que lui, il a, par exemple, 2 CS sur 4. Du coup, c'est encore correct. 2 CS sur 4, c'est bien. Et Tugal, 3 CS sur 4 aussi. Eux, ils ont fait Sporting Club de Lyon. Ils ont fait 1 nul, 1 défaite. 2 nuls, 1 défaite et 1 victoire. C'est un peu constant, mais comme ils ont encaissé pas beaucoup de buts, il avait sa place. Et du coup, on a au milieu de terrain Zlat 45 de SC Toulon qui est mal classé mais qui va essayer de revenir justement là sur ça. On a Zephyr avec Nezia et Karma du côté du Stade Poitvin au niveau du milieu de terrain. Au niveau du milieu de terrain, moi, gros dédicace à Karma qui joue en direct de l'armée. Du coup, il y a son commandant à côté, il est en train de jouer en club pro lui. Bah bravo. C'est beau ce qui se passe. Et en attaque, on aura du côté du SG Watch Vision Recha, Vincent pour la Louvière, si je dis pas de bêtises, et Moussonga pour la Louvière aussi. Ouais. Et on peut voir Recha. Ouais, mais Recha, incroyable. 11 tirs, 10 tirs cadrés, 7 buts. Et là, je vais bientôt lancer une prédiction. Est-ce qu'il va marquer dans le match contre Orcs? Franchement, il est en folie. Presque chaque tir, c'est un but. Comme Moïskine. Ah, c'est le Moïskine algérien, c'est ce que tu es en train de dire? Oui, tout à fait. En plus, c'est le nouveau GM de SG Sound Vision. Et ouais, une note de 8,13 hein, de moyenne sur les matchs là. Moussonda et Vincent, du coup, un duo d'attaque qui a fait plutôt mal du côté de la Louvière avec 3 buts et 2 buts pour les deux côtés, dont 2 passes D du côté de Moussonda. Est-ce que, du coup, cette formation de 4-3-3, elle peut changer ou pas au niveau du format de la Louvière? Oui, elle change en fonction des différentes équipes. Enfin, différents joueurs qui sont sélectionnés ou pas, ou sélectionnables. Des fois, ça passe en 3DF. Des fois, ça passe en 4DF. Mais je crois qu'on n'a jamais eu de 5DF, je pense. Il y a toujours un gardien, du coup, quand même. Oui, bah oui. Ah, je sais pas, on sait jamais, hein, je demande. Hein. Donc voilà, le match qui va se lancer. On va, du coup, pouvoir se faire peut-être la petite compo de nos amis. De chez Orcs. Alors, on aura du coup RC Lens OBP en défense avec Wisco à gauche et Brian Toffin à droite. Wissam au goal. Un milieu de terrain avec Karma, Lucas PRS, Imael et Picsou. Et une attaque avec le V7 et Polienko. Le V7 qui est très attendu hein, là dans cette attaque. On sait que c'est un céréal buteur, mais est-ce qu'il va réussir justement à faire le travail ce soir? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le V7 qui est très très en forme comparé à son acolyte Brucello Apolienko qui est Ballon d'Or 2020. Du coup, je pense qu'ils sont tous les deux compatibles, tous les deux un style de jeu qui est différent mais qui est compatible ensemble et ça peut que marcher. Je pense que le V7 il peut que performer avec Ryan à ses côtés. Et salut Misa qui vient de nous rejoindre. Salut Selim, salut Petros, salut le chat. Oh là là, il est venu nous engueuler. Que se passe-t-il Misa? Non, je viens assister au match. J'étais réquisitionné en tant que clipper. Et finalement, ben, c'est bon, je suis pas clipper, donc je serai stagiaire. Alors, pourquoi clipper? Est-ce qu'on peut passer la bande-annonce déjà? C'est ça, t'as tout compris. C'est le Flash Info, épisode Exactement. 5 déjà. Épisode 5. Ça va être là. Il y a des joueurs comme ça. Voilà. Il faut qu'on aille clipper les matchs. Il vous fait la voix off. On le laisse pas parler. Les assemblées. Ensuite, il faut les commenter. Il est là, on vous laisse la bande-annonce. Dire adieu. Ils sont pas encore commencé, les gars. Non, ne t'en fais pas, on ne ratera aucune minute de ce match. On nous entend, hein, par contre.
Oh Tatano, oh Tatano, et qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas, tu dors. Et tu dors debout, hein. Reprends le Flash Info, il y a tout le monde qui t'attend. S'il te plaît. Flash Info revient dès le 1er mars avec une toute nouvelle formule. Chaque soir à 23h. On est de retour et donc voilà. La bande-annonce du Flash. Il sera bien là ce soir, les amis. Je sais que je parle en même temps que lui. Ne vous en faites pas. Hop, c'est coupé. Du coup, il sera là ce soir. Le Flash sera là et les haters de Refcha également, Petros. Puisqu'il y a 65% de personnes qui disent que Refcha ne marquera pas. C'est bien connu en France. Le succès. Est toujours mal vu, Sélim. Le succès est toujours mal vu, je sais pas. Après, peut-être que Refcha en fait trop. Peut-être que voilà. Peut-être que c'est encore un homme de la Belgique. Ah oui. Peut-être c'est il en fait trop. Belge. Peut-être que c'est encore un Belge. Je me rappelle que la dernière fois que je suis venu, on m'a dit les Belges c'est les meilleurs. Alors qu'ils ont jamais gagné de Coupe du Monde. À un moment, il faut parler, il faut avoir les bons mots. Est-ce que la Belgique a déjà remporté un trophée au football autre que dans des catégories jeunes? Et je suis même pas sûr que les jeunes aussi ont gagné quelque chose. Ça n'existe pas. La Belgique. De toute façon, Bruxelles, plus belle ville du monde, ça c'est sûr. Et les gars, n'oubliez pas, je vais essayer une prédiction. Attends, il y a un type qui a posé 40 000... Coup, un type, il a posé 35 000 sur Refcha et Marc. Et c'est vrai. Ah ouais. C'est... Moi, j'avais pas beaucoup de sous, j'ai posé 250 sur Refcha et Marc. Mais du coup, bref... Ça bug, ça va refaire. Par contre, je pense, mon cher Petros, on va en profiter peut-être pour passer sur le lien de SGS One Vision. À moins que vous voulez avoir un peu l'ambiance du vestiaire de la Orx Grand Poitiers, Stade Poitvin, Selim. C'était mythique à la finale. Orx Grand Poitiers, MGFC, finale de la Ligue de football virtuel, des compétitions qui ont lieu un peu... attention, ne spoil pas le Flash Info, Selim. Non, mais tu me donnes l'énerve, parce que moi, tu m'as dit on passe de l'autre côté. Moi, tu vois... C'est Petros, ça va te l'envoyer. Mais pour t'expliquer une petite histoire, dans le vestiaire de la Orx, tu peux les écouter, parce que Tom Excellence diffuse sur PS5, on peut pas couper la voix. Mon ami, il gagne la manche 1... Au calme, manche 2, il la gagne, donc 2-0 dans un BO5, tu te dis c'est bien, Chicha, Weshden, Musique, Zarit, Mariage, manche 3, 4, 5 frère, il n'y a que des mouches, MGF c'est la remontada. Après moi ça me dérange pas de laisser le vestiaire de Tom Excellence, hein, mais s'ils disent des insultes ou des choses... Non, là, ils n'insultent pas, non, mais... Non, c'est bonne ambiance, c'est Weshden, voilà. Chicha... Il y a Tom Excellence, il est en live et il y a le son, Il nous entend, tu vois. On peut entendre le vestiaire peut-être. Si tu peux le mettre à fond le vestiaire, on les écoute. Je pense qu'on va rester sur ce live-là parce que du côté de SGS, la caméra est plus centrée vers le GK. Il parle tout doucement, il parle pas. Tu vois, t'entends les bruits des mouches. Ils sont tranquilles, ils sont posés, tu vois. Mais c'est ce que je crois que ça leur a servi de leçon, je crois. Pour la LV, là, le coach, il a demandé de mettre des brouilleurs dans les vestiaires. Après, moi, je veux pas faire foutre le bordel, tu vois. Aujourd'hui, on reçoit Petros, excuse-moi, j'ai du mal à le dire. On reçoit Petros. Petros, il nous dit que Bruxelles, c'est la plus belle ville du monde. Voilà, moi, à un moment... il faut qu'on soit sérieux, Misa, tu me fais commentaire. Alors, il y a deux attaquants belges, là, le V7 et Polienko. Il y en a un, il est Ballon d'Or, il y en a un, il est au ranking numéro 1 UEFA, c'est-à-dire le meilleur joueur de tous les temps. Oui, mais c'est bien ce que je dis, ils sont forts sur la console. Ils sont forts, c'est vrai qu'ils sont forts. Je pense que s'ils font une vraie équipe sérieuse avec un manager qui les cadre bien et tout, il y a moyen qu'ils gagnent la Coupe du Monde de club pro. Impossible. Tu sais pourquoi impossible? Il y a trop de grosses têtes. Ça c'est vrai. Entre Miguel, le V7, Polienko, ça va partir en bagarre quoi pendant le match. Non mais tu vois, trop de grosses têtes, c'est ça le problème. En plus, ils vont avoir une défense avec Compagnie. Il a 62 ans, c'est pas possible. Tu vois. Après, c'est pas grave. Petros, il va jouer au goal. Petros, tu vas jouer au goal pour la Belgique. Non, je vais laisser Winner. Il est Team of the Week en plus. Il est Team of the Week, il a dit. Voilà. Allez, je crois que c'est la bonne là, non? La prédiction a expiré, on nous dit. Ouais, la prédiction a expiré, il a mis seulement 5 minutes. Ah, j'avais mis 5 minutes. Mais comme le match a été relancé, du coup... Ah, mais j'avais mis 5 minutes, il y avait 5 minutes pour le faire. On en fera une autre, les gars, pendant la mi-temps, au cas où. Non, on peut pas, parce que c'est pour valider. À part s'il a marqué en première mi-temps. Misa, il prévoit des choses. Misa... Mais les gars, on parle d'un mec qui a marqué 7 buts en 4 matchs.
Oui, mais bon, encore une fois, en face, il y a une grosse défense. Et attention, déjà, Lucas qui va essayer de faire une passe là dans l'axe. C'est bien joué. On l'a vu, deuxième poteau. L'ouverture, ça reste dans les pieds. La petite passe, oh là là là. Ça commence déjà à pousser très rapidement. Et justement, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans ce match-là. Parce que, mine de rien, il a marqué 7 buts. Mais contre quelles équipes? Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce qu'en face, justement, on ne va pas avoir étudié un peu sa manière d'attaquer pour pouvoir l'empêcher, justement, d'aller chercher des buts? Alors, il a marqué un triplé contre son ancienne équipe et il n'a pas hésité à les tacler sur Twitter. Ah, du coup, voilà. Encore une fois, on en parle de la Belgique et ce côté chambrage qui fait qu'ils ne seront pas champions du monde. Non, mais c'est Refcha, ça, c'est l'Algérien. C'est plus côté Sélim, là. Mais tu vois, il a raison, parce qu'il a marqué 7 buts. Du coup, comme il a marqué 7 buts, il a le droit, tu vois, d'être comme ça. Parce que quand t'es bon, tu peux le montrer, tu vois. Quand tu mets un triplé à ton ancien manager qui t'a viré, t'as moyen de lui dire qu'il dort debout. Voilà, il faut des Zlatan dans le monde du foot, c'est comme ça, voilà. Il y a moyen d'avoir les liens pour les autres matchs. C'est pas possible, alors je vais t'expliquer pourquoi c'est pas possible. Parce qu'il y a quelqu'un qui se démène en régie pour que, après ce match-là sur Twitter ou sur YouTube, vous ayez un résumé avec les buts, les actions et tout ce qu'il y a à voir. Et étant donné que nous respectons le travail de cette personne énormément, nous sommes obligés de te dire de venir après tous les matchs sur YouTube pour pouvoir voir le résumé de ces matchs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien vendu, mon ami Misa? C'est pas mal. Ça permet de découvrir les joueurs en détail dans ce match-là et après de voir de manière globale tous les joueurs de l'Émeraude. C'est ça. Et du coup, attention. Tout ça dans la même soirée. Et du coup, qui est commenté par notre ami? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est à Chaban ou pas? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là, Chaban. Il n'est pas là. Mais du coup, il y a les clips qui sont faits de tous les buts et autres nerveux. Et du coup, même si on n'est pas en multiplex, on pense quand même à vous. D'ailleurs, est-ce que Petros a fait la commande YouTube? Pas encore. Oh, on va la faire de suite. On va la faire de suite, la commande YouTube, les amis. Oh, le petit pont! Vous l'avez vu, le petit pont? Il y a eu un petit pont, là. Je vais le clipper. Ah, il est tombé par terre, le joueur. Moi, je l'ai pas vu du tout. Mais du coup, là, le chat, il parlait plus, il voyait plus une prédiction que Orcs allait gagner. Au niveau, il donnait... Surtout Mario, il donnait 2-1 pour la Horde, mais... On verra bien. Ouais, après, on sait bien, The Nerveux, on veut tous voir toutes les équipes jouer, mais comme on le disait, voilà, faut voir le résumé. Parce que derrière, il y a du travail, il y a des choses qu'ils ont faites. Et ça dure franchement 10 minutes. Et ça te permettra de voir tout ce qui s'y passe. Attends, il a des potes dans l'équipe de Baba. Et Baba joue pas ce soir. L'équipe de Baba joue pas. C'est Saphir, ouais. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Si on parle du même Baba, Baba il joue pas. Ouais. Ou le tir de Makrout. Oh là là, Crespo, attention. Ah, t'as de l'avance sur nous. Je sais pas si tu regardes avec le... Je regarde sur ton... Ah oui. Il a dit ah oui. Ah bah je regardais pas sur ton tri. Lisco, oh là là, le long ballon vers le V7. Le V7 qui décale Lucas. Lucas qui va redécaler Polienko. Polienko qui va revenir dans l'axe vers Imel pour le V7. Attention, il s'est bien intercepté par Paddle. Ça repart là, long ballon vers l'avant. Rappelons que nous sommes avec le banquier Petros, celui qui a créé des équipes et qui en a détruit d'autres pour manquement au paiement. À la VAR, à la VAR surtout. L'huissier et oui. À la barre au paiement, huissier, donc en fonction, on a tous les costumes. La semaine dernière, est-ce que le but a été validé du dégagement du gardien? Non, malheureusement, non. Ils ont rejoué, mais ils ont gagné. C'est donc ça ne change rien. Ah, le match a été rejoué? Ouais, ils ont gagné sans encaisser de but. Ça fait un clean sheet. Attention, cette petite passe bien jouée, ça pique sous, solide là, au milieu de terrain, là, dans l'axe, qui arrive à bien récupérer ce ballon, ça repart vers Imael pour Miguel, le 1-2 avec Refcha, justement, les gens attendent qu'il marque là. On l'a vu, il est très vite cerné dès qu'il a le ballon par cette équipe de la Orcs là qui l'empêche justement de développer son jeu. Et là, c'est bien joué. Polienko qui a vu l'appel de balle. C'est très bien joué ça vers Brian Toffin qui est monté depuis la défense là pour aller aider. Et il va perdre ce ballon. Et là, attention du coup. Oh, le mauvais dégagement, c'est dommage. Parce que ça faisait un gros trou en bas à gauche là, la montée de Brian Toffin qui perd ce ballon. C'est ça qui est très dangereux quand on est à latéral et qu'on monte comme ça. On laisse la défense défendre à 3. Mais il y a des équipes qui le font et d'autres qui ne le font pas. Et là, on a le V7 qui va essayer de dribbler là. Il est parti vers Imael. Ça ressort vers Wisco.
On n'a pas. On voit, il y a une lutte au milieu de terrain, mais on n'a pas beaucoup d'action pour l'instant. Le V7 vers Wisco, peut-être Imael, c'est bien joué ce dédoublement. Il va essayer de la mettre. Le centre fort et c'est bien arrêté par la défense de SGS. Et là, on n'a pas l'impression pour l'instant que SGS a les armes pour marquer, justement. Il n'a pas touché le ballon, Refja, je crois, non ? Si, si, il a fait une petite passe tout à l'heure, mais comme je disais, comme je disais, dès qu'il touche le ballon, il a 4 joueurs sur lui. Je pense que voilà, ils sont passés le mot dans le vestiaire, ils ont dit dès qu'il touche le ballon, on y va à fond. Il y a un plan anti-Messi, et ben voilà, il y a un plan anti-Refja. En même temps, quand il y a un Algérien sur le terrain, il faut l'arrêter. On sait ce que ça donne. Hein. Ah oui. Et oui. Le petit Riyad Mahrez. Attention, mon ballon vers l'avant, c'est bien joué. Oh, c'est magnifique cette ouverture parce qu'il n'est pas hors jeu. Et là, il y a Refja justement juste à côté de lui. Il est là, il va lui mettre vers Crespo, la frappe de Crespo, l'arrêt de Wissam, incroyable sur cette frappe. Et Refja qui a pas croqué le ballon, hein, qui a été décalé Crespo, qui l'a mis dans une bonne condition pour frapper. Et l'arrêt de Wissam, incroyable. Voilà, tu demandais Refja, voilà, hein, tu l'as eu. Ouais. Tu l'as eu. Et attention parce que là, il n'a pas frappé, mais la prochaine, je pense qu'il prendra sa chance. Hein. Il a long ballon, c'est bien joué ça vers le V7 pour Lucas. Lucas qui va redoubler vers le V7, peut-être le centre deuxième poteau. Et vous, alors, vos prédictions, est-ce qu'il va marquer ou pas ce soir, Refja ? Je pense, ouais. Je pense 1-1, un truc comme ça. Toi, tu mais il y aura 1-1. Deux buts. Alors, ouais, Misa, on sait que c'est le l'âme à pas suivre en prédiction, il n'ouvrira pas de Snapchat. C'est quoi, il marquera pas à J5. Il marque pas à la J5, il marque à la J6. D'accord. Et au niveau du score, donne-nous ta prédiction score, comme ça on... 0-0, tout fatigué. Ah là, 0-0, tout fatigué sur ce match-là. Alors normalement, voilà, s'il a dit ça, dans les 10 prochaines minutes, il y a un but. Hein. À l'engagement de la deuxième mi-temps. C'est ça, sur un long dégagement et le gardien qui va se trouver. On va voir les stats, justement, pour voir un petit peu... Zéro tir pour l'instant du côté de la Orcs. Et 3 tirs, mais pas de cadré du côté de... SGS, One Vision, Saint-Geneviève. Il y a une nette domination du côté de la Orcs, hein, au niveau de la possession de ballon. On voit, ils sont à 61%, ils font bien tourner le ballon, mais devant les cages, ça tire pas. Et en face, bah, on a eu deux occasions pas très franches, mais ça a fini sur des frappes directement. Pardon, excusez-moi, c'est la pub. Et il fait des petits placements de produits, hein, Célim. Moi, j'ai une question, Célim. C'est toi qui avais commenté le match, là. C'est quel match, Misa? C'était mal, ouais, c'était lui, hein. Je pensais que c'était Célim plus vieux ou son sosie, hein. T'as rajeuni, Célim, c'est bien, tu rajeunis au fur et à mesure des années. Non, je rajeunis pas, mais c'est quand il y avait la barbe, il y avait tout. Quand je m'habille confinement. Quand je m'habille en costard, en fait. Dès que je m'habille en costard, bah voilà, on a l'impression, parce que je suis un beau gosse en costard. Donc s'il y a une femme qui veut se marier là dans le live, voilà, cherchez plus. Vous avez trouvé un homme qui porte bien le costume. Non, c'est moi qui ai commenté le match là pour boomer justement. Ouais, voilà, c'était ça. Avec Trafi, d'ailleurs, c'était très marrant, on a bien rigolé. Et voilà, après, t'inquiète, il y a ma tête un peu partout, tu le sais pas, mais des fois c'est moi. Ouais, c'est un membre qui me l'a envoyé, c'est un membre qui m'a envoyé, il m'a dit c'est Célim, je dis je sais pas, Célim FA27 peut-être. En fait, non, mais c'est ça en fait, le truc c'est que bah en fait j'ai commenté, bah comme on en a déjà parlé, mais ça j'ai commenté plein de trucs, j'ai pas forcément les vidéos de tout ce que j'ai commenté. Ah ouais, je sais bien. Il y a eu des événements où j'étais là en offline sur des scènes et tout, où il y a des photos de moi qui doivent circuler et que je suis même pas au courant, tu vois, c'est. Mais c'est ça qui est drôle aussi, tu vois. Après, t'es une star internationale comme Brulux and the Flux. Non, parce que Brulux, c'est pas une star comme moi. Brulux, c'est-à-dire qu'on se fout de lui. Alors que moi, c'est moi qui me fous des gens. Tu vois. Là, et du coup, voilà, on est sur un match. Il y a toujours 0-0. Le score de Misa qui est en train de se produire, là. Hein, la prédiction de Misa. Et merci Petros pour le match fatigué. Le choix. Eh ouais, moi je suis là, je me suis dit gros match, j'ai fait la pub partout, au final c'est un match endormi. Ouais mais tu vois, peut-être que... Ouais mais regarde, si tu prends le premier contre le septième, tu vas avoir pas d'enjeu, parce que trop de matchs, des fois, tu vois, ça tue le match, après tu peux avoir une surprise. On l'a vu, hein, Marseille, ils ont failli gagner le Canet, ça a failli être une surprise pour Marseille de gagner un match. Du coup, voilà, le Canet, ils ont réussi à assurer leur place de favori sur ce match-là. Bah c'est souvent comme ça, hein, dans les matchs entre les premiers et les derniers. Voilà, c'est ce qui aussi, se passe. Ah ouais, surtout qu'il y a 2 ans, ils ont failli faire aussi une surprise contre Andrézieux. Ouais, c'est ça. C'est... Souvent, ils arrivent à aller loin en Coupe de France, jusqu'en 16e et tout. Et après, bah voilà, la magie de la Coupe de France, ça fait que ça s'arrête. Hein.
Après, c'est un match à sens unique. Hein. Il y a SGS One Vision qui veut pas perdre pour essayer de garder quand même sa petite avance qu'il a sur les grands favoris Orks Grand Poitevin et Orks Grand Poitevin qui veut vite remonter au classement, vite reprendre des points. Du coup, c'est plutôt à sens unique, je trouve, même oui, s'il n'y a pas vraiment d'action franche. Mais là, regarde, regarde, justement, tu le disais, Misa, et là, c'est peut-être le but. La frappe, l'arrêt du gardien, c'est très bien joué, là, cette sortie. Et Shenmue qui va ressortir avec un long dégagement. Et voilà, je vous dis, dès que Misa y parle, il se passe quelque chose. Misa, tu peux dire qu'il se passe rien dans le match, comme ça, on a des actions. C'est ça. Et voilà, Lamala qui essaye de lancer vers l'avant, ça va être perdu. Tom, solide, hein. On rappelle que Tom, hein, on rappelle que il était dans la Team of the Week. Et du coup, c'est ce qu'on disait, quand même en face, il y a une grosse, grosse défense. Et là, peut-être la frappe de Levesset. Levesset, la frappe, ça revient dans les pieds de Wesco. La frappe but. Et le but, le but. Wesco. Allez, je te le mets parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts aujourd'hui. Allez, comme on n'a pas eu beaucoup de buts sur cette première mi-temps, on peut se permettre un golasso. Et on l'a dit, Misa en prédiction, c'est zéro, les amis. Ne misez jamais sur ce que Misa dit. D'accord. Faites tout l'inverse. Si vous avez des doutes, Misa, est-ce que le PSG va gagner contre Barcelone ou pas? Ah, c'est la remontada du Barça, là. Ah, bah, let's go. Les gars, vous pouvez mettre boîte sur le PSG, il n'y a aucun souci. On est tranquille, hein, je vous le dis. Misa, c'est un peu le Bruce Granek de eSport F1, hein, niveau prédiction. Quand il dit 4-1 d'un côté, en général, il y en a 4 de l'autre. C'est pas mal. Et là, en tout cas, grosse opération, là, de la part de Stade Poitvin avec ce petit 1-0. Et attention, parce que c'est pas fini, hein, dans ce match. Et c'est dommage, il aurait pu justement décaler. Je pense que c'est ce qu'il a dû lui dire là. Oh là 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 là, il joue dans la défense, ça revient sur la malade justement. Faut pas trop jouer comme ça. Hein, là, on joue avec le feu là. Wisco qui va peut-être essayer de revenir. On a un gros pressing là de la part de SGS qui va essayer justement d'aller chercher ce but. Et là, on l'a dit, la prédic, il y a eu 40 000 qui ont été posés sur le but. On peut spoiler les scores. Non, Mickey, on peut pas spoiler les scores. Mais apparemment, si tu dis lol, c'est qu'il y a dû avoir un gros score ou une grosse surprise. Et attention, ça part avec Polienko. C'est perdu, ça. On tente une passe fantasque alors qu'il n'y avait pas besoin. Et la Karma. Karma qui va jouer vers le V7 pour Imael. Imael qui va redescendre. Ça revient sur Lucas. Lucas qui va aller chercher peut-être la frappe. Non, Lamala qui récupère encore une fois. C'est bien joué, ça. Mister Macrout. El Macroutito, comme on l'appelle dans le milieu, qui essaye d'aller chercher devant. Il va peut-être pouvoir centrer. Ouais, ça revient. Et attention, il reste 13 minutes dans ce match. 13 minutes pour égaliser pour SGS. Et Petros, il nous avait annoncé un 1-1, on le rappelle. Est-ce que Petros est un bon pronostic-scoeur ou pas? Bien sûr. Attention, il reste 10 minutes. 10 minutes pour faire mentir Petros du côté de Stade Poitvin. Ça va être difficile. Hein. Je vois. Tenir. À chaque fois que Grefja a le ballon, direct, il y a deux joueurs qui sortent sur lui. Ah, c'est ce que je disais, il y a vraiment un dispositif anti-refcha hein, sur le match, et c'est ça, hein, de toute façon, quand on est un grand joueur, on a des dispositifs contre nous, voilà. C'est pour ça qu'il faut se faire discret quand on marque la première semaine, pour être tranquille la deuxième semaine, pas trop chanter. Ah, donc là, la musique, surtout si on chante faux, parce que si on chante derrière, on fait plus rien. Ah. Attention, parce que là, on voit deuxième poteau, c'est pas mal, là. Il y a un duel de grand là qui peut être très intéressant. Est-ce que ça va la jouer là justement? On patiente là du côté de Stade Poitvin. Karma qui va aller centrer, ça va être intercepté. Et là on sent que c'est la fin du match, ça pousse mais c'est dur là. Il reste 6 minutes, il reste 6 minutes pour faire quelque chose. La Polienko sur le côté qui temporise légèrement le jeu. Mais Karma qui perd directement là-bas, ça part direct vers l'avant du côté des EGS. Ils veulent marquer ce but. Ouais, mais c'est pas trop se précipiter, voilà. Tue la précipitation. C'est ça. Franchement, les gars, c'est comme un match de coupe. Moi, je serai coach de SGS, je vais chercher le 1-1 ou le 2-0. C'est pas très grave. Parce qu'il faut pas que l'Orks Grand Poitiers nous rattrape, je dirais à mes joueurs, tu vois. Ouais, mais. Autant perdre 2-0. Du coup, pas grave. T'as l'accent du Sud, hein. On sait ce que ça fait quand on essaie de tout donner. voilà. Hein. Attention, Refcha. Attention, il a parlé en plus, du coup, le coach de SGS. Là, il a dit, il reste 1 minute 30 de jeu. Brian Toffin. Toffin qui rate son sujet technique. C'est là. Et attention, Shenmue. Pour Refsta, la frappe. Penalty. Non. Il a dit penalty. Non, il n'y a pas penalty. Oh, c'est la dernière, là. Il faut balancer. Il faut balancer dans la boîte. 20 secondes. Qui dit, je t'ai donné une manette à l'arbitre. Il a vu en bas. Il a vu en bas. Ah, les gars, il n'a pas vu en bas. Qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais, Miguel? Il tire. Non. Je pense qu'il n'a pas fait exprès. Il a voulu récupérer le ballon.
Aïe, 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 en bas, il y avait la place. Il y avait la place en bas, là, pour une petite passe. 8 tirs 2. Oh là là, 8 tirs 2 cadrés pour SGS. C'est pas terrible. Mais Wesco, défenseur gauche, qui vient de mettre un tir presque au coin de l'entrée de la surface. Et Brian Toffin qui a failli donner l'égalisation. Hein. C'était chaud. C'était chaud, chaud, chaud. Et Revchak qui a tiré directement quand il a eu la balle à la 90e. Ça aurait pu passer. J'ai envie de me tirer une balle sérieuse. Je fais l'arrêt, ça revient sur le mec à côté. Resco qui nous dit, voilà, cet arrêt hein, en deux temps qu'il n'a pas pu faire. Il a fait un temps sur deux. Et du coup, ça suffisait pas. Et dommage, c'était chaud. Hein. C'était chaud. C'était chaud. Et c'est bizarre. Frappe, voilà. Vas-y, rentre fou. Moi, je l'ai vu, j'ai vu. On vous remet un petit coup de bonne annonce de flash, les amis. On revient juste après. Oui, merci. On revient. Où est-ce qu'elle est, la bonne annonce de flash? Elle est là. Voilà. On nous entend plus. Ça va être la fin du flash. Il faut qu'on aille clipper les matchs. Il faut qu'on aille monter les matchs, les assembler. Ensuite, il faut les commenter. Bah, on va tout doucement dire adieu à ce fond. Oh tata non! Oh tata non! Et qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas, tu dors! Et tu dors debout, hein? Reprends le flash info, y'a tout le monde qui t'attend! S'il te plaît. Flash Info revient dès le 1er mars avec une toute nouvelle formule. Chaque soir à 23h sur la chaîne YouTube d'eSport FA. Allez, on relance le Flash. Je suis très content de reprendre le Flash. On va tout de suite regarder des buts. Allez, Tatan, ça ira, mon grand. Courage. L'expérience e-sport autrement. Ça va être la fin du flash. Il faut qu'on aille clipper les matchs. Il faut qu'on aille monter les matchs, les assembler. Ensuite, il faut les commenter. Bah, on va tout doucement dire adieu à ce fond. Oh tata non! Oh tata non! Et qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas, tu dors! Et tu dors debout, hein? Reprends le flash info, y'a tout le monde qui t'attend! S'il te plaît. Dès le 1er mars avec une toute nouvelle formule. Chaque soir à 23h sur la chaîne YouTube d'eSport FA. Allez, on relance le flash. Je suis très content de reprendre le flash. On va tout de suite regarder des buts. Allez Tatan, ça ira mon grand. Courage. L'expérience e-sport autrement. Ça va être la fin du flash. Il faut qu'on aille clipper les matchs. Il faut qu'on aille monter les matchs, les assembler. Ensuite, il faut les commenter. Bah, on va tout doucement dire adieu à ce fond. Oh tata non! Bon, tata, du coup, non. Les amis, on vous invite à voter parce que là, ça se joue entre deux matchs. Tu dors debout, reprends le flash info, il y a tout le monde qui t'attend. Contre la Louvière et Bergerac contre Wanted, les amis. On vous laisse encore exactement une minute pour voter. Bon. Peut-être le temps de mettre l'animation des 6 matchs. Célim, si tu les as. L'animation des 6 matchs. Non, je ne sais pas. J'ai envoyé à Petros pourtant. Ah. L'information n'est pas arrivée jusqu'à.
Ah mais oui, Misa, moi je vois J5 Emerald et One More Field, j'ai pas vu. Voilà, on n'a pas l'animation. Allez, du coup, on va vous on la faire nous-mêmes. Le flash. Je pensais que c'était juste à J5. On va vous faire les bruits, les amis. Donc, si on résume un peu à la fin de ce match, les amis, on vous invite à voter. Hein, c'est bientôt la fin du vote. Et bah, c'est fini. La Louvière contre Lyon qui remporte le vote. Du coup, on va regarder le match de la Louvière contre Lyon. On a failli regarder Bergerac contre la Wanted, mais ce n'est pas passé. Et du coup, on sera sur le match la Louvière contre Lyon. La Louvière qui était troisième avant la journée numéro 5. Et Lyon qui était 7ème avant la journée numéro 5. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu peux déjà le mettre. Donc voilà. Tu peux déjà mettre quoi? Bah le match a commencé, mon grand. Bah envoie-moi le lien, mon grand. Je t'ai envoyé, c'est voilà. Parti. C'est parti, mon kiki. Et il y a 500 FA pour 5 personnes. N'hésitez pas à point d'exclamation eSport FA. Ah bah voilà, le club adverse a déclaré forfait. Tu vois, ça n'a pas commencé. Ça a lancé au final. Et voilà. Il nous presse pour rien, Petros. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme comme petit challenge là? Il y en a beaucoup qui ont perdu pas mal de points là. Qu'est-ce qu'on mettrait comme prédiction? Comme prédiction. Il y a la Louvière. Il y a eu deux joueurs de la semaine chez la Louvière. Oui. En attaque. Est-ce qu'on repartirait sur un but de l'attaque? Ou ce qu'on peut faire, c'est que je n'ai aucune idée, mais ça peut être intéressant. Il y avait des votes sinistères pour toutes les équipes, pour tous les matchs. Il fallait voter, du coup, pour regarder Toulon. Il fallait voter, mais il n'y a pas eu assez de votes. Mais de toute façon, tu peux revoir Toulon. Regarde, tu as vu ça faire point d'interrogation YT. Tu as la chaîne YouTube, tu t'abonnes et tu as le flash à 23h30 si Tatane est en forme. On nous dit sinon, c'est voire 23h, voire 23h, 23h08 la dernière fois. Vas-y. On nous dit but bah, de MF. 23h. Hmm, on nous dit but de MF pour la Louvière. MF5, mais il marque pas. Ouais, on va mettre un buteur qui marque pas. Est-ce que Matador marque ou pas du côté de Lyon? Moi, je dirais la prédiction sur Matador, elle peut être. Mais Matador, d'après nos dernières rumeurs, il joue. Il joue, mais il a failli pas jouer. Ouais. Non, c'est pas lui, c'était quelqu'un qui joue pas à cause de lui, d'après les dernières rumeurs. D'accord. Donc est-ce qu'on mettrait pas une prédiction qui va justement but de Moussanda, Young Crack, on nous dit. Moussanda, le Young Crack, exactement. Il était dans l'équipe de la semaine d'ailleurs. Allez, vas-y. Moussanda joue contre son ancienne équipe. Ouais. Son ancienne équipe. Ça, allez, c'est une bonne but de Moussanda. Allez, but de Moussanda. C'est parti pour la prédiction, les amis. Moussanda va-t-il marquer? Qui est Moussanda? Tu sais pas qui c'est, toi, Selim? Non, vas-y. Est-ce que le match est lancé ou pas encore? Là, on a le un match petit peu est de temps. Lancé. Non, le match est lancé. Tant pis. Ah, dommage. Mais on va donner ces stats un tout petit peu fast. 39 matchs, 19 buts, 7 assists. Révélation Q2. Ouais, 0,5 buts par match. 7 men of the match. Et voilà. Et là, il vient de faire une Team of the Week ou pas là? Ouais, il l'a fait sur la barre. On l'a vu ensemble. Hein, dans la Team of the Week. C'était le ADAG. C'était les ADAG de la Louvière. Du coup, leur neuf. Oh là là, justement, il est là, MF5. Il va essayer de la donner cette balle là pour la Louvière. Et attention, hein, long ballon vers l'avant. Léon, ça revient là, sur la défense avec tranquille. Hein, Bluka qui va prendre le temps. Vers Sergio qui va faire la passe pour sa femme en tribune. Là, il y avait Sergio, il est parti de FDA du coup. Ouais, Sergio R4. Ah ouais, je viens de voir ça. Voir. Et du coup, là, tout le monde pense que Moussanda va pas marquer. Les gars continuent à mettre l'argent. Enfin, l'argent. Les points de chaîne. Dans les. Sinon, on va se retrouver avec la DGSE encore une fois. Allez, c'est pas qu'on se trompe de terme. C'est reparti avec Vincent. Il va essayer de jouer devant. Moi, j'ai plus de points. J'ai perdu tout sur le but de Richa, là. J'ai tout perdu. Je suis. Eh ouais, y a... Non, mais le problème, c'est que j'ai pas demandé à Misa avant ce qu'il en pensait. Et du coup, j'ai misé avant. Et dès que Misa il a dit qu'il allait marquer, bah voilà, c'était.
Après, il est revenu sur ses dires. Il a dit non, il marquera pas à la 5, il marquera à la 6. Là, par contre, je te le dis, Vincent ou Moussanda, un des deux, il marque. Les attaquants de Louvière. Là, il a dit Vincent ou Moussanda. Tu vois, il se mouille pas trop, tu vois. J'ai pas dit MF, alors que tout le monde voit MF, quand même. Quand même. Bah, MF, c'est le 9, donc forcément, c'est plus logique, on va dire. Petros, très très malin. Hein. J'ai posé 9K perso sur MF, on nous dit. Mario, il découvre que je suis malin, hein, c'est bien. Je sais pas pourquoi, mais moi, je suis fier d'être malin. Hein. Allez, long ballon vers l'avant, c'est bien joué ça, justement. Vincent qui va la donner à Moussanda, Moussanda qui va tenter de se l'amener. Ouh, oh, le but ! Est-ce qu'il est donné à Moussanda ou pas ? Est-ce qu'il est donné à Moussanda ou pas ? Attention, attention. Ah, la célébration, il s'excuse. C'est pas. Non, ça va pas être donné à Moussanda. Ça va pas être donné à Moussanda parce que le défenseur, il se retourne et la balle, il la renvoie de l'autre côté et elle retape le gardien. Donc c'est pas sur une frappe contrée, c'est vraiment là le gardien qui marque contre son camp. Mais la prédiction qui a failli passer. Mais attention, attention, MF5, la profondeur. But. Le face-à-face. Voilà. Le tir. Misa, il l'a dit qu'il y avait but. Du coup, il n'y a pas but. C'est pas possible. On vous l'a dit quand Misa, il marque, il ne peut pas y avoir but. Allez, ça repart tout de suite sur ce corner. Long ballon. La tête. Et ça va être raté. Du coup, je ne sais pas si on le donnera à Moussanda ou pas. C'est pas moi qui choisis. Hein, mais en tout cas, moi, je ne l'accorderai pas à Moussanda. Mais très fair play quand même dans sa célébration, Moussanda contre son ancienne équipe. Qui a levé les mains pour s'excuser. Est-ce que tu penses qu'il l'a préparé? Il a été préparé. Regardé comment on faisait la célébration, pardon. Non, il a fait mieux. Il a mis célébration par défaut, il a mis ça. Ah, voilà. Il a été là préparé, c'est sûr. Ah là là là. Et là, Saken doit péter les plombs. Et ouais, c'est ça le... Et c'est ça grand, ouais, c'est quoi ce but sérieux? Bah... On t'a dit c'est le meilleur de les foot, c'est le haut niveau ici. Ma plus grande peur, c'est... De toute façon, s'il y a un live où il n'y a pas un but casquette et que c'est moi qui commande, c'est pas normal. S'il se passe pas un truc bizarre, c'est pas normal, c'est pas une soirée normale. La prédiction saute pas, j'espère. Bah non, mais il n'y a pas eu but de Moussanda, les amis. Hein. On sait pas. On sait pas, mais pour l'instant, moi j'ai encore pas la prédiction but. Et j'attends s'il marque encore une fois, sinon on verra bien. Moi, je ne lui accorde pas le but, en tout cas, pour ma part, ça ne serait pas passé. C'est qui l'avare et l'huissier? C'est qui? Bah, c'est qui fait l'avare? Parce que là, du coup, si tu dis ça, attention, parce que tu vas avoir beaucoup de monde qui va arriver dans les DM, là. C'est qui fait l'avare? C'est moi l'avare depuis le début. D'accord, on nous dit, regarde, dans le chat, on nous dit CSC. Moi, pour moi, la règle football, Stormy qui nous dit dispo VAR. La règle au football, c'est le but est accordé si... La balle allait en direction du but et elle est juste déviée. On est d'accord? Oui. Ouais. Là, le problème, c'est que le défenseur a stoppé la balle et elle partait dans l'autre sens. Et c'est le gardien qui a retapé dedans. Oh, j'ai confiance en FIFA. Est-ce qu'on a le clip du but? Est-ce qu'on va le faire à la mi-temps? Non, je ne l'ai pas. Mais sinon, on peut faire comme les paris sportifs. Si le but de Moussanda est accordé et nous fait perdre trop d'FAP, eh ben, on annule le pari, tout simplement. Sinon, eh ben, on conserve le pari. Ce qu'au fond, c'est ces escrocs. Ah oui, les escrocs. Parce que là, Dream qui a essayé de passer, ça repart là vers Guigou. Guigou qui va jouer avec Dream. Et il y a Chaban qui est arrivé. Hein. Yo, Chaban, tu peux venir avec nous si tu as envie de passer un bon moment. Là, c'est détente aujourd'hui. Là, c'est le café des sports. Là. Chaban que vous retrouverez jeudi pour le FL Saphir. Et oui. Et attention, ça part. Stoumi qui lance un long ballon vers l'avant. Je veux une VAR les mecs à la mi-temps. On nous demande la VAR à la mi-temps. Tout le monde veut la VAR à la mi-temps. Petros, es-tu capable de nous faire en mode imitation Tugal quand le but il s'est pris? Qu'est-ce qu'il a dit dans le vocal? Oh, Tugal, mais en fait j'ai jamais joué avec lui. Du coup je connais pas ses gimmicks, mais je sais que c'est un personnage très. Il râle le carré. Quand c'est des buts comme ça, il râle. On l'a vu sur Foot Champion plusieurs fois. Oh, en bas il était pas hors jeu. Il y avait un défenseur qui couvrait. C'est dommage, il y a pas cru. Et là ça repart dans le sens. Il reste 5 minutes. Et là, Moussanda justement qui récupère le ballon. Lui qui nous met déjà dans une position délicate là avec les paris. Ça repart là tout de suite. Long ballon vers l'avant dégagé par le SC Lyon. Le SC Lyon qui va essayer justement d'aller provoquer là. Il reste 5 minutes avant la mi-temps. Ça serait bien une égalisation pour eux ou un deuxième but de l'autre côté. C'est toujours bien de rentrer à la mi-temps avec 2 buts d'avance. Et là Vincent justement qui va donner à Moussanda qui va écarter, mais ça va être perdu et récupéré encore une fois. Ça revient dans les pieds, Moussanda qui récupère ce ballon et belle intervention là de la part de la défense lyonnaise.
Ça revient encore sur Grealish. Grealish qui s'impose. Il la donne à Musonda. Musonda qui fait un petit geste là pour essayer de s'écarter. Il arrive à passer, il la donne. AMF, MF qui essaye de faire une passe en retrait, ça va pas passer. Et attention parce que les SC Lyon là qui se retrouvent en difficulté. Hein. Et d'après la VAR de FIFA, c'est. Du coup, moi je fais confiance à la FIFA. Ah, donc FIFA a donné CSC du coup ? Oui. Comme en fait, j'ai regardé le clip, il n'y avait pas de le nom du buteur en bas. Du coup, c'est-à-dire que c'est un CSC. On va regarder ce qui. Est-ce qu'à la mi-temps, déjà, on va nous afficher les buteurs XDB, CSC. Alors, j'ai une question. Est-ce que, vu qu'il a marqué un CSC, il gagne des points comme s'il avait marqué un but ? Non. Non. Voilà, c'est pas fair play. Hein. Oh, mais Misa, ça serait incroyable. Imagine, on met une nouvelle stat, CSC. Et Joker s'arrache les cheveux. Type, tu lui retires 500 FA pour chaque CSC. Mon joueur Guigou93 chez Lyon, on nous dit FDA ouais, Mario. Ancien joueur du FDA, de chez FDA. Et ancien joueur du PC. Et du coup, bah le but de Musanda pas validé, hein, les amis. Hein. Eh oui. Du coup, peut-être qu'il va marquer dans cette deuxième mi-temps. Qui sait. Peut-être. Après, on va voir est-ce qu'il en perd des points, on nous dit. Ah, je sais pas. Je sais pas. Hein. Après, moi, je sais qu'on peut faire perdre des efforts pas des joueurs. Ah, mais il doit se dire qu'est-ce qu'il raconte. Ouais, là, je vois ce que tu veux dire, mais c'est dans le cadre d'un mauvais comportement. Ouais, mais... Un CSC, c'est pas un mauvais comportement, les mecs, oh. C'est pas de ça. On peut faire perdre des efforts pas des joueurs, mais les efforts, si vous les perdez, ça vient chez nous. C'est pour partir en Grèce. Voilà. Et ça repart avec Dreams qui va aller décaler. Et attention, il reste une mi-temps à Musanda pour marquer pour la prédiction. Long ballon, le centre là, du SC Lyon, ça revient dans les pieds. Long ballon vers l'avant, c'est récupéré par la défense lyonnaise. Encore une fois, oh là là, attention ce contre. Oxdibi qui intervient bien. Lui qui a été auteur malheureux hein, du CSC. Alors on lui a donné, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que j'avais pas l'impression que c'était lui en défense au moment du but. Mais Il le revole encore une fois. Il veut marquer. Moi je vous dis les gars, 2-1 pour SC Lyon, hein, ça se termine le match. Ah bah en tout cas s'il met des têtes comme ça Omar, ça va être oui. Hein. Attendez, je vais lancer un sondage. Mais attends, parce qu'il y a le but de Musanda sur le match. Non, un sondage. Pas un sondage. Remontada de SC Lyon ou pas? On va dire, résultat final. Là Musanda va peut-être faire parler le but justement, attention, long ballon, ah c'est dommage. Ah les gars, vous pouvez voter pour le sondage, ça coûte 0 point de chaîne et c'est juste pour des statistiques. Voilà. XDB, attention Grealish pour Tico, ça repart à droite là. On nous dit 1-1 du côté de Mario là, on croit en l'égalisation du SC Lyon. Vincent qui fait la toupie, ça lui permet de se libérer. Et attention, parce que là du coup, on a un travail au milieu de terrain qui est monstrueux du côté de la Louvière qui permet justement à cette attaque là de trouver un peu d'espace. Et on va la donner à MF qui va la donner à Musanda. Musanda qui va perdre ce ballon. Brian qui nous fait un très beau match hein, défensif là. Et ça remonte là avec SDB justement hein, qui veut se rattraper de son erreur. On le voit presque en attaque le défenseur. Et attention Omar qui va essayer de la donner voilà, dans l'axe pour SDB qui va aller chercher Matador pour notre ami Evander pour Saken. Saken pour Evander. Evander qui va retrouver Saken. Mais il y aura Zdeno qui va récupérer ce ballon. Et attention, Tugal. Tugal, le voilà, Tugal avec Matador. Attention, Evander. Oh, la petite passe pour Saken, elle est dangereuse là. Ah, il s'est perdu, il s'est emmêlé les pinceaux. Ouais, ça va être compliqué, on a l'appel de balle de Musanda. Musanda qui va essayer d'aller se battre là, on voit, il y a un appel dans l'axe aussi. Il y a 4 joueurs là de la Louvière qui est arrivé, là, il a trophée, il a envie de se montrer là sur ce match. Et ça passe pas. Ah ouais, mais Brian Adel, c'est un ancien, tu le dirais pas si facilement comme ça. Pas sur un CSC, on nous dit. Est-ce qu'il perd On nous dit. Pas sur un CSC. On voit, il y en a plein qui veulent pas la défaite sur un CSC là. Il y en a plein. Et ouais, il y a Marie, il voit 1-1. Il y a Stro qui lui dit porte pas l'œil. On sent qu'il y a Vincent. Vincent sur le côté, mais non, il perd direct la balle. Ils sont fatigués là, ça se voit. Ça y est, c'est le moment critique de la part de Petros. Attends. Et attention, Vincent. Non, la balle qui a été poussée, c'est dommage parce qu'il avait réussi là un beau contrôle là dans la surface et avec le pied derrière, il n'arrive pas à se ramener le ballon. Et
on voit, hein, ça pousse du côté de la Louvière, ça veut aller chercher le deuxième but. Et du coup, on a MF qui va dégager un long ballon vers la droite. Avec, si tu veux, une petite anecdote. Ouais. Aïssel Dreams, il a commencé en DC, là, il l'a fini en attaquant. Ok, donc du coup, là, tu es en train de nous dire qu'il était pas bon pour récupérer des ballons, donc... Mais il est bon pour embarquer. C'est ça, d'accord. Ouais, c'est ça le truc, en fait. Attention, Dreams, qui va jouer voilà. Vers Saken. Aïe, aïe, aïe. Ils sont mal placés, là, les attaquants, pour faciliter les transmissions. Bah, c'est dur, là, pour le SC Lyon. Là, ils arrivent pas, même au milieu de terrain, ils ont du mal à sortir le ballon. Ils sont très vite étouffés par la Louvière, là, qui, justement, arrive à bien gérer hein, son milieu de terrain. Il y a de l'espace, là, il y a de quoi avancer, c'est Digne qui ralentit le jeu, et on a l'impression qu'ils essayent de casser les rythmes en même temps, et c'est dommage, parce que là, par exemple, il y avait une belle contre-attaque, et on a Saken qui va essayer de demander le ballon le centre, et ça revient sur la défense de la Louvière, et voilà, Grealish, là, qui va aller chercher du côté de Moussanda, Moussanda qui va décaler ce ballon, c'est bien joué, ça, de la part de Grealish, avec perdu ce ballon, encore une fois, on nous dit la Louvière va gagner, c'est le résultat à 76%, hein. 71%. Ah, moi j'ai 71%. Ouais, excuse-moi, ouais. 71% de vote. Ça repart tout de suite de l'avant. C'est bien joué ça, Moussanda. Il a vu l'appel de balle. Et attention, parce que là, ce contre, il est intéressant. La petite balle piquée, encore une fois, peut-être deuxième poteau. On a Vincent. Il va aller chercher une, deux. Moussanda, peut-être pour la frappe, l'arrêt. Ça revient à Zdedinho. C'est bien joué ça, le petit geste technique. On arrive à se dégager. On la redonne en retrait. Et l'intervention de Sdibi, l'auteur malheureux du CSC. Et attention, la technique là sur corner là. Alors là, c'est une grande chandelle au deuxième poteau, ça va être arrêté. Et Saken, Saken qui va aller jouer vers Avender de l'autre côté. On a Matador, Matador qui est en train de pousser le ballon. Long centre vers l'avant, ça va pas passer, ça revient vers Saiki, ça va repartir. Et attention, Moussanda, Moussanda pour Vincent, Vincent qui va aller chercher. Du côté notre ami Omar du SC Lyon hein, qui fait cette interception, lui qui a eu une belle action de la tête là tout à l'heure qui n'a pas réussi à concrétiser. Et attention, là tu gâches l'intervention incroyable. La part de on rentre dans le money time là, money time. 6 minutes de jeu. Et toujours 1-0 dans ce match. Chaque transmission est importante là de la part du SC Lyon. Et ils vont pouvoir remonter le bloc avec cette faute. Et c'est bien joué ça, la faute là justement, c'est bien obtenu. Saken, oh là là, c'est mal joué. Ah, il cherchait Tugal, mais. Il cherchait Tugal, mais un peu loin. très loin, dur, c'était très dur. Et puis, c'est. Bon, ça a dû être travaillé hein, pour eux, mais c'est très dur ce genre de ballon comme ça. C'est très, très dur. Et Tugal qui est devant là, qui reste devant Tugal. Le défenseur central du SC Lyon, vous le voyez en BU. Ouais, ils ont eu. Pour chercher l'égalisation. Bah, c'est ça, ils ont eu pas mal d'occasions de centre depuis tout à l'heure. Donc, je pense qu'ils ont dû dire à Tugal, monte, mets-nous une tête rageuse là. Il va marquer, voilà Saken, c'est bien joué ça justement. C'est là, parler. Portugal. Peut-être là, c'est Dream qui va essayer de centrer et la faute. Oh là là là, là, il reste 2 minutes de jeu. 2 minutes de jeu ici. Moi je sens premier poteau fort. Il va de la mettre premier poteau fort, il va venir couper ou un truc comme ça. Le script FIFA est là. Il est prêt. 2 minutes de jeu. Ce qu'il va nous faire. Deuxième. Deuxième. Ah, Mimita. Mais c'est pas fini, il va la récupérer là. Ouais. En retrait, dans la boîte. Et Wander dans la boîte, et il y a de la place. La grosse tête. Ça fait deux fois, hein. Ça fait deux têtes. Hein. Deux têtes ratées pour le SC Lyon sur la même position. Aïe. Ils peuvent s'en vouloir parce que honnêtement, ces deux têtes-là, elles étaient belles. Ils étaient presque seules et aucune des deux qui a été cadrée. On nous dit let's go du côté de Stromae. Victoire du coup. De nos amis de la Louvière qui reprennent de la marge sur les autres équipes, hein, eux qui étaient déjà très bien placés au classement avec pas moins de 9 points. Mais on vous rappelle que si vous voulez tous les résultats, tous les buts et savoir ce qui s'est passé lors de ces deux journées, on se retrouve dans le flash sur YouTube à partir de 23h les amis. Vous savez pourquoi on vous laisse une petite demi-heure ? Pour que vous puissiez aller boire un petit coup, aller aux toilettes, chercher ce que vous avez regardé sur Netflix avant de dormir. Et à 23h, vous serez là, justement, prêt à nous suivre. En parlant de Netflix, il y a Prime Video là, qui est en train d'améliorer son catalogue. Et il y a des films plutôt sympas.
C'est pas un placement de produit, hein, on n'est pas encore là. C'est des on est pas encore là. Ah, mais j'ai cru qu'il allait sortir un truc, tu sais. Ils sont en train de tourner une émission sur nous, tu sais. Prime Video, là, ils sont venus, ils m'ont dit on va faire les yeux dans Esport FA, là, après les yeux dans les bleus. Une saison complète avec nous. Pourquoi pas, on te le souhaite. Voilà, ça s'appellera des Esport FA à la Ligue 1, voilà. C'est le prochain documentaire de nos amis. Bon, du coup, les amis, c'est l'heure de rendre l'antenne, je crois. Juste c'est avant ça, il faut tirer les 5 vainqueurs, hein, les 5 supporters qui ont gagné. On vous laisse encore une minute, les gars, pour aller. Bon, en tout cas, niveau prédiction, là, c'était pas fameux. Hein. C'était pas fameux aujourd'hui, niveau prédiction. Moussan Denmark, elle a été terminée. Non. Aujourd'hui, hein, toutes les prédictions ont été non. Voilà. Aucun genre. Épisode 3, la Tatane Academy, on nous dit, en parlant Netflix, il y a la prochaine saison Esport FA. La Tatane Academy. Eh oui, Tatane qui a quand même développé pas mal de nouvelles compétences chez les gens qui ont rejoint Esport FA, soit sur OBS, sur Adobe, sur Wii Video et dans tout ce qui touche la web TV. Gros taf. Allez les gars, c'est l'heure de fermer le tirage. Let's go. Allez, c'est parti. Et c'est Neza qui remporte les 500 FA. El Pocho 22, Denzer, notre nouveau community manager Twitter, Yurk, la régalade, l'artiste. Yurk, il a gagné deux fois, hier et aujourd'hui, non ? Ouais. Mais Yurk, apparemment, il a... Et Jesse Jackson, bien évidemment. Et voilà, il s'est abonné tout à l'heure, merci à lui. Merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui sont là jour après jour avec nous. Hein, on vous remercie d'être là avec nous. Et les gars, on vous donne rendez-vous jeudi, 21h30. Poursuivre l'EFL Saphir avec de gros matchs en perspective. Et voilà, merci Célim, merci Petros. Merci à tous. Merci à toi de nous inviter comme à notre habitude. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on vous dit à tout à l'heure sur le Flash. N'hésitez pas à venir nombreux, rigoler avec nous. Ça va être plutôt pas mal, surtout qu'on a eu une belle bavure déjà sur le but qu'on a vu. Et je pense qu'il y aura des choses à dire. Yes. Ciao.